Bien, bonsoir. Il est maintenant presque 17h. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous. Maintenant, depuis une semaine que les communistes nous avons voulu mettre en place à travers ce Facebook Live. Pour cette semaine, nous changeons l'horaire à 17h. Nous vous l'avions annoncé. L'objectif est double. Tout d'abord, bien évidemment, dans ces périodes de confinement, pouvoir nous retrouver, peut-être pouvoir nous déconfiner, certes virtuellement, échanger. Continuer en tout cas à faire de la politique tous ensemble. Et puis, bien évidemment, à quelques heures maintenant de l'allocution d'Emmanuel Macron, puisqu'il s'exprimera ce soir à 20h, pouvoir répondre à vos questions, porter ensemble les revendications des communistes et plus largement, je crois, réfléchir aux solutions, aux réponses à apporter face à cette crise. Pour l'urgence, tout de suite maintenant, mais aussi pour les semaines, pour les mois, voire pour les années à venir, parce que d'ores et déjà, nous le savons, notre pays, mais plus largement, je crois, l'ensemble de la planète, l'ensemble des femmes et des hommes sur cette planète auront beaucoup à inventer, beaucoup d'innovation, beaucoup d'humanité à remettre pour que les jours de demain soient meilleurs que ceux que nous vivons aujourd'hui. Je veux bien évidemment tout d'abord vous souhaitez le meilleur en espérant que vous-même, vos proches soient en bonne santé et pour celles et ceux qui autour d'eux ont des personnes hospitalisées, eh bien que la guérison puisse arriver au plus vite. Je vais donc tout d'abord prendre les questions dans l'ordre, celles qui ont été posées il y a maintenant quelques heures à l'annonce de ce Facebook Live et bien évidemment commencer à y répondre. Et je vous invite très largement à poursuivre pour poser vos questions à travers le lien de commentaires sous la vidéo et ainsi pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous. Donc plusieurs questions ont été posées. La première sur la question du confinement et des conséquences que cela impose, notamment pour le monde du travail, avec l'annonce du chômage partiel, le fait que les salariés perçoivent aujourd'hui 85% de leur salaire quand ils sont au chômage partiel, mais également, donc c'était la question de Jacques, mais également j'y associerai la question de Sébastien qui dit que l'on nous demande aujourd'hui de travailler plus alors que lui-même, comme des milliers d'autres, sont au chômage et que il y aurait dans ce système à répartir les richesses et bien évidemment à répartir l'emploi. Oui, c'est un vrai souci et les députés, les sénateurs, l'ensemble des parlementaires communistes l'ont dénoncé depuis le début face aux propositions qui ont été faites par ce gouvernement et qui sont d'ailleurs depuis maintenant quelques jours reprises en cœur par le MEDEF et l'ensemble du patronat dans notre pays. Nous avons les moyens et nous exigeons que les salariés qui sont placés en chômage partiel pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a un besoin de faire respecter le plus et le mieux possible le confinement pour combattre cette pandémie qui existe, doivent être payés à 100% de leur salaire. Ils ne doivent pas être les lésés, être les victimes de cette crise qui s'abat sur notre pays. Aujourd'hui, de nombreuses mesures ont été votées en faveur des entreprises et il en faut. Il faudra demain faciliter la reprise de l'activité économique, mais la reprise de l'activité économique ne pourra être simplement qu'en aidant les entreprises. Pour encourager, pour assurer la relance, il faudra bien évidemment relancer également le pouvoir d'achat, assurer la consommation, et cela ne peut pas se faire en réduisant, comme nous l'assistons aujourd'hui, les salaires dans notre pays. Et dès la fin de cette semaine, avec l'annonce d'un nouveau projet de loi de finances rectificatif, l'ensemble des parlementaires communistes, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, exigeront que l'ensemble des salariés placés en chômage partiel puissent être payés à 100% de leur salaire.
Autre question qui nous a été posée, soulignant, donc je cite là Dominique, soulignant les initiatives intéressantes qui se mettent en place à travers ces Facebook Live, la remise en cause du temps de travail et autres surprises que nous réserve ce gouvernement. Nous l'avons vu effectivement, je le disais, à travers tout ce week-end, la petite chanson s'est installée de la part de certains, de la part du gouvernement dans un premier temps, dans la part du MEDEF, qui depuis 3 jours, lui, n'a pas fait de trêve pendant ce week-end pascal, mais au contraire, a lancé une offensive en nous expliquant que dès à présent et dans les semaines, les mois qui viennent, il nous faudrait travailler plus, il nous faudrait gagner moins, et il faudrait aider plus les entreprises. C'est finalement une remise en cause de notre modèle social qu'il propose. D'ailleurs, repris par un certain nombre de ministres ce week-end, c'est un véritable scandale. Je crois qu'il faut le dénoncer parce que, comme je l'ai dit précédemment, mais ce n'est pas de cela dont a besoin notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas de cela dont ont besoin les salariés dans notre pays. Ce n'est pas de cela dont a besoin l'économie de notre pays. Bien au contraire, nous l'avons fait en plusieurs périodes, mais nous défendons et nous défendons encore. Oui, le maintien, bien évidemment, des acquis sociaux, mais certainement des droits nouveaux à inventer. Et je veux ici, peut-être avec un peu de solennité, mais alerter ce que pourrait dire et anticiper ce que pourrait dire ce soir le président de la République. Depuis le début de cette crise, et depuis notamment sa prise de parole le mardi 17 mars, il nous a parlé de guerre. Il nous a dit que notre pays était en guerre et d'ailleurs, nous avons lu tout au long de la semaine dernière un certain nombre d'articles faisant la comparaison entre la situation de notre pays en 1945 et la situation de notre pays à la sortie du confinement. Je veux tout simplement rappeler à ce gouvernement et rappeler à Emmanuel Macron que la sortie de la guerre en 1945 a été celle de la mise en place d'un formidable programme politique du Conseil national de la Résistance qui affirmait des droits nouveaux. Des droits nouveaux pour toutes et pour tous. Des droits qui, bien évidemment, assuraient l'égalité entre les femmes et les hommes, avec le droit de vote pour les femmes, mais aussi des droits pour l'ensemble des salariés, en créant la sécurité sociale, en créant le droit à l'emploi, et dès l'année suivante, en 1946, en créant une constitution qui actait dans ses fondements même le principe que nous étions une république sociale. Donc, cela, nous ne devons pas aujourd'hui, bien évidemment, le sacrifier. Nous devons au contraire le renforcer parce que c'est quand notre pays est rassemblé, quand les valeurs sociales sont au cœur de ce qui fait le commun, de ce qui fait la République, que nous en sortons. Et c'est ainsi que nous reconstruirons bien évidemment notre pays. Alors on nous demande également ce que l'on pense d'une plainte contre le gouvernement pour mise en danger de la population. Je laisse chacune et chacun, bien évidemment, agir en justice comme il le souhaite. En tout cas, pour ma part, en tant qu'élu, en tant que parlementaire, mais avec l'ensemble, bien évidemment, de mes collègues, que ce soit ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, je pense que nous ne sommes pas dans la logique aujourd'hui d'aller porter plainte, mais tout simplement de porter le fer là où il le faut, au quotidien, en interpellant de façon quotidienne l'ensemble des ministres du gouvernement, en posant chaque semaine à travers les questions d'actualité, les questions qui dérangent, en remettant le gouvernement face à ses responsabilités, face à ce besoin aujourd'hui d'investir dans l'hôpital public, d'investir parce que nous avions une autre question posée par Michel sur la question des masques et des tests. Oui, la nécessité aujourd'hui pour notre pays qu'il y ait des masques et des tests en nombre suffisant, bien évidemment, pour les personnels soignants, pour toutes celles et ceux qui sont obligés de continuer de travailler, mais plus largement parce que c'est une des conditions de sortie du confinement pour l'ensemble de la population. Et je veux, sur ce point, et je crois que nous devons être très exigeants et mener cette bataille-là. Il y a aujourd'hui une guerre économique qui est en train de s'ouvrir sur le prix des masques et sur le prix des tests. Nous devons être intransigeants et nous devons exiger que le prix des masques soit aujourd'hui réglementé dans notre pays. Nous ne pouvons assister à un emballement des prix comme on le constate aujourd'hui sur les masques. En 4 semaines, le prix d'un masque aujourd'hui a plus que doublé dans notre pays. Si nous voulons réellement
nous attaquer à cette pandémie, si nous voulons réellement que l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens soient protégés demain, le prix du masque doit être encadré. Il en est de même, j'ai envie de dire, comme sur les médicaments. Nous ne pouvons pas jouer avec ce qui sera la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et nous devons cesser de voir ces prix du masque multipliés par 2, par 3 ou 4 certainement dans quelques jours. Je disais de façon peut-être un peu ironique la semaine dernière, mais nous assistons à une baisse du prix de l'essence et à inversement proportionnel à une augmentation du prix des masques. Cela doit, je crois, cesser et l'État doit reprendre toute sa place pour arrêter cette guerre des masques. Enfin, alors de nombreuses questions arrivent en direct. L'exercice va donc se complexifier bien évidemment quelque peu. Donc de la part de Marie-Françoise, les sénateurs peuvent-ils demander la destitution du président de la République? Oui, peut-être qu'il nous faudrait d'ailleurs réutiliser un autre Facebook Live pour revenir sur ces questions constitutionnelles et le pouvoir des parlementaires. Là encore, je crois que l'heure n'est pas à demander la destitution. Tout d'abord, l'heure est à assurer la sortie de cette crise dans le respect du débat politique, démocratique et donc contradictoire. Et je crois que nous devons agir. Il y aura maintenant dans 2 ans des élections présidentielles et nous avons tout intérêt à d'ores et déjà préparer ces élections, poser la question de l'alternative et de quelle société nous voulons construire pour effectivement changer de politique dans notre pays. Une autre question d'Alain, que pouvons-nous faire pour lutter contre la régression sociale? Je crois, alors peut-être j'éviterai de me répéter trop ici ce soir, mais tout simplement, d'abord, c'est un des objectifs que nous avons eu, les communistes, à travers ces Facebook Live, mais les initiatives sont aujourd'hui très nombreuses. Tout d'abord, lutter contre la régression sociale, c'est rester solidaires les uns envers les autres, c'est éviter les oppositions qui se font. Nous en discutions ce matin avec des collègues, il est inacceptable, par exemple, aujourd'hui, puis pour revenir sur la question de l'activité partielle, que les salariés qui touchent le SMIC soient à 100% et les autres à 84%. L'ensemble des salariés doivent être à 100% de leur salaire. Il ne peut pas y avoir de différence sur cette question-là. Éviter la régression sociale, c'est bien évidemment porter l'exigence, nous mobiliser, faire la démonstration comme nous le faisons, mais comme je sais, vous êtes un certain nombre à le faire à travers les réseaux sociaux dans cette période, mais à l'issue du confinement, il nous faudra reprendre aussi nos formes de militantisme peut-être plus traditionnelles de ces alternatives et de faire la démonstration que la régression sociale n'est pas l'avenir, et nous le voyons. Toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, ont voulu réduire la dépense publique, ont voulu réduire les moyens pour l'hôpital public et organiser ce que nous avons dénoncé depuis maintenant plusieurs mois avec la désertification médicale. Et il y a plus d'un an, les parlementaires communistes organisaient un tour de France des hôpitaux, justement parce que la régression sociale ne permettra jamais de répondre à quelques crises ou à quelques catastrophes, qu'elles soient sanitaires comme celles que nous vivons, mais qu'elles puissent être écologiques demain ou d'un tout ordre. Oui, il y a besoin, peut-être plus que jamais, de renforcer nos services publics, de les rendre plus efficients, de les rendre plus efficaces, parce qu'ils garantissent l'égalité sociale entre toutes et entre tous, ils garantissent l'égalité territoriale, qui fait que quel que soit le lieu où nous habitons, quelles que soient nos conditions de vie, nos revenus, eh bien, nous pouvons avoir accès aux mêmes droits et ainsi faire République ensemble. Denis pose la question, avez-vous entendu parler d'un décret qui indemniserait à 100% le chômage partiel pour les salaires en dessous de 4,5 SMIC? Alors, si ce décret existe, qui nous l'adresse, à ce jour, non, il n'y a malheureusement aucune mesure qui va dans ce sens-là, et je note d'ailleurs une vraie différence puisque si l'on regarde notamment sur les aides accordées en matière de CICE, on sait aller jusqu'à 1,5 SMIC, alors que là nous n'en sommes pas capables, il y a réellement une vraie différence. Question de ma collègue et présidente de groupe,
groupe Éliane Assassi. Ne crois-tu pas qu'il serait nécessaire d'avoir un débat public avec vote sur le recours au trekking? Oui, bien évidemment, et je crois que nous allons le demander. On sent bien, je ne sais pas, je ne me lis pas dans les mares de café, je n'ai pas cette proximité avec le président de la République, mais certainement ce soir, une des conditions pour sortir du confinement sera la question du tracking, sur laquelle d'ailleurs beaucoup de choses ont été dites et où il semblerait, même si je ne suis pas une grande spécialiste de cette question, qu'en tout cas plusieurs utilisations puissent être faites, plusieurs mises en œuvre et en effectivité puissent se faire. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces questions-là de tracking, de suivi, de contrôle finalement de la population ne peut être discutée que dès lors qu'elles le sont publiquement, avec bien évidemment l'ensemble des groupes parlementaires, mais plus largement l'ensemble de la société. Et si le gouvernement veut aller dans ce sens-là, nous exigerons les garanties et donc des votes nécessaires pour savoir qui met en place ce tracking, quelles sont les sociétés qui ont la maîtrise de ces données, comment sont conservées, qui peut consulter ces données, quel sera le rôle de la CNIL qui va être auditionnée dans les jours à venir par le Sénat pour justement entendre ce qui est possible ou pas. Et le tracking, en tout cas, tel que on nous le présente aujourd'hui, s'apparente plus à un contrôle de la population qu'à un contrôle du développement de la pandémie. Il y a donc, je crois, beaucoup à faire, beaucoup à revoir si cette méthode devait se mettre en place. Une autre question de Vincent Bonny, de Rive de Gier. La proximité ligérienne fait que je peux pour certains même citer les communes. Quid démocratique de la volonté du gouvernement pour noyer les municipales avec les régionales, les départementales en mars 2021? Je veux effectivement, et merci pour cette question, revenir sur ce débat. D'abord parce que nous en avons entendu beaucoup sur l'organisation de ce premier tour qui a eu lieu le 15 mars et du devenir d'un hypothétique deuxième tour qui inévitablement finira par arriver. Tout d'abord, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités, je ne renie jamais les miennes. Oui, quand le Premier ministre a réuni l'ensemble des partis politiques et des groupes politiques le jeudi précédant le premier tour, il a fait état d'un certain nombre de données épidémiologique qui, en tout cas dans les informations qui nous ont été transmises à l'époque, laissaient à penser que le premier tour des élections municipales pouvait être organisé en prenant toutes les mesures nécessaires le 15 mars tel que nous l'avons connu. Et puis, cela n'était pas écrit, j'ai envie de dire, ni annoncé le jeudi matin quand la consultation a eu lieu. Il y a eu cette déclaration d'Édouard Philippe, de façon d'ailleurs un peu imprévue, un peu cavalière, nous pouvons dire, le samedi soir, annonçant un début de confinement, en tout cas une préconfiguration du confinement qui a très certainement joué fortement sur la participation le 15 mars lors du premier tour. Aujourd'hui, force est de constater que plus de 30 000 communes ont élu l'ensemble de leur conseil municipal et que donc pour un peu plus de 4 500 communes, 1 500 communes de plus de 1 000 habitants, la question du second tour doit être tranchée. Initialement, et là encore, au vu des données scientifiques, des données épidémiologiques qui ont été mises à disposition des parlementaires, le choix a été fait dans le travail législatif de retenir la proposition telle que le gouvernement le proposait de la remise d'un rapport le 15 mai, puis maintenant le 23 mai, pour décider à travers une loi de l'organisation du second tour, qui devait avoir lieu fin juin. Il semblerait, et je crois que là nous en saurons plus effectivement mi-mai, qu'au vu de la situation épidémiologique dans notre pays, l'organisation au mois de juin d'une telle élection soit compliquée. Dès lors, cela voudrait dire repousser encore ces élections après l'été, ce qui impliquerait pour les communes concernées la réorganisation d'un premier et d'un second tour. Alors quand, je l'espère et nous le souhaitons le plus tôt possible pour justement éviter toute manœuvre politicienne, je crois que l'heure en tout cas est aujourd'hui à sortir et à combattre la crise sanitaire, mais que dès la sortie de la crise sanitaire,
nous ne pourrons pas engendrer une crise démocratique supplémentaire dans notre pays. Et en tout état de cause, la démocratie locale ne pourra pas faire les frais de la situation sociale et économique dans laquelle sera notre pays. Donc, nous aurons besoin, justement parce que nous ne sommes pas en guerre, de poursuivre l'organisation des institutions démocratiques nationales et locales et pouvoir organiser dans les meilleures conditions, bien évidemment, mais aussi le plus vite possible, ces élections municipales pour que l'ensemble de nos communes puissent être pourvues. Et d'ores et déjà, je pense que ce serait un mauvais signal à renvoyer, en tout cas si l'on souhaite respecter la démocratie locale, de vouloir organiser pour ces 4000 communes restantes les élections le même jour que les élections départementales et régionales, sauf peut-être à envisager ce soit pour La République En Marche la seule solution de sauver la ville de Lyon. Mais je n'ose envisager que la politique politicienne prévaut dans ces périodes de crise sanitaire. Une autre question de Francisco, pourquoi le gouvernement décide-t-il seul? Pourquoi ne pas créer un comité de salut public? Alors cela fait justement partie des questions que nous posons. J'évoquais la consultation qu'a faite Édouard Philippe avec les présidents de partis politiques et les présidents de groupes parlementaires. Cela ne peut pas être satisfaisant. Cela ne peut pas être satisfaisant d'abord parce que ce comité ne s'est réuni que 4 fois depuis le début de la crise et en fait, il ne se réunit que pour être informé effectivement des décisions du gouvernement ou de la situation. Et il y a aujourd'hui, parce que la crise sanitaire est là, parce que la crise sociale, économique est devant nous, mais nous la vivons d'ores et déjà, nous l'avons dit précédemment, nous avons effectivement besoin, non pas forcément d'un gouvernement d'union nationale, parce que il ne faudrait pas jouer les hypocrites sur la question, mais il y a en tout cas, si l'on veut trouver les meilleures solutions, si l'on veut apporter des réponses à toutes et à tous, si l'on veut réellement, et au-delà des manœuvres politiciennes, sortir de cette crise sanitaire, il y a besoin en tout cas d'un comité qui se réunisse de façon très régulière, qui puisse effectivement mettre sur le grill la situation que nous vivons et ainsi avancer avec les solutions peut-être en tout cas les meilleures, en tout cas les plus partagées par tous, pour qu'elles soient ensuite débattues par le Parlement et qu'elles puissent faire loi et que réellement elles répondent aux besoins de nos populations. Une autre question de Liliane sur le fait est-ce que l'on reprend la main sur notre industrie, ça fait partie des questions que nous avons été nombreux à poser et des exigences que nous avons faites. La réponse de Bruno Le Maire en l'état, malgré quelques grandes déclarations accompagnées d'un vocable plutôt progressiste, dans la réalité, il n'en est bien évidemment rien. Nous l'avons vu, il refuse aujourd'hui que l'État puisse rentrer au capital d'un certain nombre d'entreprises. Quand il l'évoque, c'est uniquement pour Air France et de façon très très partielle et très conditionnée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de reprise en main de notre industrie. La question ne serait pas bien évidemment de reprendre tout en main, mais oui, il y a aujourd'hui des secteurs stratégiques, en tout cas dans lesquels l'État doit rester là où il est encore membre et dans lesquels il doit revenir, parce que nous le voyons, il y a un certain nombre de sites stratégiques, de production stratégique pour lesquels nous ne pouvons pas dépendre d'autres pays à l'autre bout de la planète, parce que bien cela met en difficulté non pas notre indépendance nationale, mais tout simplement cela met en difficulté la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je crois que quand on dirige un pays, notre priorité doit d'abord et avant tout être celle-ci, assurer la sécurité dans tous les sens du terme de l'ensemble des habitants de notre pays. Alors ensuite, une autre question, quand allons-nous faire notre 1er mai? Je crois, et il ne serait pas, il serait peut-être trop utopiste de se dire que nous manifesterons le 1er mai. En l'état et au vu de la situation sanitaire, il semble
quasiment inévitable que les rassemblements du 1er mai n'auront pas lieu. Il nous faut d'ailleurs peut-être inventer, imaginer ce que pourrait être un 1er mai de confinement, parce que finalement, depuis le début de ce Facebook Live, nous avons beaucoup parlé des salariés, des travailleurs, de toutes ces femmes et ces hommes qui produisent, pour les uns encore sur des sites de production, parfois au péril de leur vie parce que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, parfois chez eux dans des conditions également très difficiles parce que le télétravail subi, qui n'a pas été aménagé, n'est jamais simple, parce que pour beaucoup c'est encore la gestion des enfants et en même temps celle du travail. Et finalement, ce 1er mai peut-être plus que jamais aurait un intérêt en tout cas à rayonner, à faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui, malgré cette crise, continuent de travailler dans des conditions difficiles, jamais simples, eh bien, puissent effectivement avoir cette reconnaissance. Ce qui m'invite à une autre question qui nous était posée en préalable. Si ce soir nous faisions un concert de casseroles pendant l'intervention du chef de l'État ce soir, personnellement, je l'écouterai quand même parce que je pense que pour dénoncer un discours politique, encore faut-il l'entendre. Mais j'invite bien évidemment chacune et chacun à faire les concerts qu'il le souhaite, dans le respect tout de même de ses voisins et du bruit que cela peut engendrer. De la part de mon collègue également sénateur Fabien Gay, quelles mesures immédiates pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages ? Il y en a bien évidemment plusieurs. Nous réfléchissons aujourd'hui et bien évidemment il y réfléchit avec moi, mais il nous faut regarder plusieurs choses. Je l'ai dit, tout d'abord, il n'y aura de relance que parce que la consommation pourra se faire. Donc oui, le pouvoir d'achat doit être une des mesures et une des priorités pour assurer la sortie du confinement et la reprise de l'activité économique. Cela veut donc dire, je l'ai déjà dit, le chômage partiel qui n'est pas payé à 84% mais qui soit payé à 100% du salaire, la réflexion de l'élargissement du chèque énergie pour alléger la charge de la facture énergétique dans les ménages de toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui subissent une activité partielle et donc une réduction de salaire. Il y a également à regarder du côté du logement, avec peut-être la mise en place d'un fonds logement ou d'APL exceptionnel sur les 2 mois pour toutes celles et tous ceux qui vont être en difficulté à la fin du mois pour payer leur loyer, et quel que soit d'ailleurs leur bail, qu'ils soient avec des bailleurs sociaux ou avec des bailleurs privés en logement type HLM ou dans du logement plus ou dans du logement privatif. Dans tout cela, il faut aujourd'hui des mesures qui accompagnent les familles, qui accompagnent les ménages, qui permettent effectivement de relancer le pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas simplement en exonérant un peu plus encore, tel que cela nous est annoncé, les entreprises, en les exonérant de cotisations de charges supplémentaires, que nous relancerons la machine dans les semaines, voire les mois qui viennent. De la part, une autre question de la part de Lisa, comment s'assurer que les libertés individuelles ne seront pas mises à mal à l'issue du confinement? Je crois que là, ça fait partie des nombreuses interrogations. C'est vrai sur les libertés individuelles, c'est vrai, nous disions tout à l'heure, sur les droits des salariés, finalement. Qu'est-ce qui nous garantit que toutes ces mesures aujourd'hui présentées à titre exceptionnel seront exceptionnelles et ne seront pas pérennisées demain? Je crois tout d'abord, mais comme toujours, par la mobilisation citoyenne, par l'implication et le regard de tous, par l'exigence des parlementaires progressistes que nous sommes dans notre capacité à exercer, à mettre en œuvre notre pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement pour effectivement garantir, s'assurer que ce qui, à un moment donné, peut être entendu, à défaut d'être accepté, mais en tout cas entendu dans une période de crise comme celle-ci, n'est en tout cas nullement justifié dans une période où la crise n'est plus là. Et en tout cas, nous l'avons dit, là encore, et André Chassaigne et Éliane Assassi, les deux présidents de groupe à l'Assemblée nationale comme au Sénat, nous ne voulons pas revivre ce que nous avons connu avec l'état d'urgence post-attentat. C'est un certain nombre de mesures prises pendant l'état d'urgence qui, quelques mois après, sont généralisées dans la loi et pour le reste, j'ai envie de dire, des décennies à venir. Donc, nous avons besoin effectivement de grande vigilance
dans ce domaine comme dans d'autres. Êtes-vous favorable à la nationalisation de certaines banques et entreprises de l'industrie? Bon, je ne reviens pas sur la question des entreprises de l'industrie, je l'ai dit précédemment sur la nécessité, bien évidemment, pour un certain nombre de secteurs stratégiques que l'État redevienne actionnaire de ces entreprises dites stratégiques. Cela doit également se regarder dans les banques, mais je crois, j'élargirai, pardon, la question au secteur des assurances également. Parce que nous le voyons et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs qui nous alertent. Tout d'abord, le gouvernement met en place la garantie pour les prêts État pour l'ensemble des entreprises en difficulté. Sauf que pour un certain nombre d'entreprises, principalement les petites TPE, PME, celles de nos territoires, de nos départements, celles qui font vivre finalement nos départements, celles qui créent de l'emploi local, celles qui sont non délocalisables, eh bien pour nombreuses de ces entreprises, elles n'ont pas accès à ces garanties parce que elles ne sont pas jugées suffisamment en bonne santé financière par les banques. Et donc, il y a besoin de s'assurer que effectivement les banques jouent tout leur rôle et que dans cette prise de risque, mais cette prise de risque, elle est aujourd'hui pour tout le monde, dans cette prise de risque, les banques ne commencent pas à sélectionner les bons des mauvais et qu'elles viennent réellement en soutien à toute l'activité économique de notre pays, quelle qu'elle soit, pas simplement les grands groupes ou les groupes qui sont en meilleure santé, qui finalement d'ailleurs n'auraient que très peu besoin de telles dispositions. Et puis ce sont également les assurances qui aujourd'hui sont les grands absents dans ce tour de table financier pour répondre à la crise et notamment répondre aux mesures économiques et sociales. Tout d'abord parce que ils font jouer à la clause jusqu'à la dernière petite ligne, vous savez, de ces contrats d'assurance qui font plusieurs pages, jusqu'à la dernière petite ligne et au dernier astérisque leur contrat, compris en mettant en difficulté aujourd'hui un certain nombre de professions parce que dès lors que la personne n'est pas considérée comme malade, elle ne peut pas bénéficier de son assurance. Donc on a aujourd'hui, et je suis aujourd'hui interpellée par un certain nombre de personnes qui me disent, mais finalement, il vaudrait mieux que je tombe malade pour pouvoir bénéficier de mon assurance plutôt que de fermer mon entreprise et ainsi protéger mes salariés et les clients. Et puis aujourd'hui, malheureusement, mais puisque nous sommes dans une économie de marché, jouons les cartes de cette règle de l'économie de marché. Aujourd'hui, les assurances font des économies parce que depuis 4 semaines, par exemple, les accidents de voiture, un certain nombre de contentieux sont beaucoup moins importants qu'en temps normal. Et donc, elles sont en train aujourd'hui d'avoir, je ne sais pas si c'est faire des économies, mais en tout cas, de ne pas faire les dépenses qu'elles font habituellement. Donc oui, les assurances doivent être au rendez-vous et doivent elles aussi être autour de la table. Le moment de relancer le fret de la part de Robert, alors le moment immédiatement, tout de suite, je ne sais pas, parce que objectivement, tout de suite maintenant, nous sommes dans une période de confinement, et donc ce qu'il faudrait surtout, c'est réduire le plus et le mieux possible les déplacements dans leur diversité. Mais oui, nous aurons à réinventer demain, à réinsister sur des mesures pour bien évidemment assurer la relance économique, garantir la sécurité sociale de toutes et de tous, mais aussi apporter des réponses aux enjeux et aux défis environnementaux de demain, parce que l'heure n'est pas à savoir de qui et d'où vient cette crise et qui en est peut-être le responsable. Mais une chose est certaine, c'est que la situation de notre planète, le dérèglement climatique, amènera des catastrophes certainement dans les décennies qui viennent, sans vouloir être dans le catastrophisme. Et donc nous avons en tout cas besoin de tout faire et en tout cas de reconstruire notre pays, notre planète, avec ces défis environnementaux, ces défis climatiques en ligne de mire pour ne pas subir les catastrophes de la nature dans les décennies à venir. Une autre question, le Parti communiste participera-t-il à un front républicain s'il était proposé par le gouvernement?
Tout d'abord, on peut toujours évoquer toutes les questions que l'on voudrait, mais le gouvernement ne propose pas cette proposition. Donc je crois que ça ne sert à rien de se faire peur, et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il n'en a pas l'intention. Je le disais tout à l'heure, je le trouve d'ailleurs très en deçà de sa capacité à réunir l'ensemble des forces politiques, à réunir dans la diversité toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont les élus de la République. Le gouvernement n'est pas dans cette logique, contrairement à tout ce qu'il peut dire. Le gouvernement avance sa politique et ne cherche pas effectivement à rassembler. Et il peut utiliser tous les termes et les comparatifs qu'il veut sur la guerre et le lendemain de la guerre et la libération et 1945. Nous ne sommes pas dans cette situation. Je rappellerai d'ailleurs simplement que le Conseil national de la Résistance ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il s'est fait malgré la clandestinité, après de nombreux mois, de nombreuses réunions, de nombreux coups de gueule, y compris entre communistes et gaullistes à l'époque, pour arriver à ce programme qui a su rassembler. Donc cela, de toutes les façons, ne se décrète pas, cela se construit, cela ne pourra se faire et ne pourra être qu'envisagé si effectivement demain, le gouvernement joue carte sur table et a la volonté de travailler avec toutes et avec tous. Mais depuis maintenant 15 jours que nous auditionnons au Sénat comme à l'Assemblée nationale l'ensemble des ministres, tous ministres qu'ils sont et quel que soit leur secteur de compétence et leur ministère, je n'ai entendu aucun ministre parler de tout ce dont nous venons de parler depuis le début de cet échange. Aucun ne parle du pouvoir d'achat, aucun ne parle des salariés, aucun ne parle des conséquences dans le monde du travail de ce qu'implique la situation de confinement. Aucun ne parle et n'évoque ce problème qui fait que très certainement la ségrégation sociale n'a jamais été aussi forte. Parce que demain, quand les entreprises vont commencer à reprendre, ce sont les ouvriers, ce sont les hôtesses d'accueil que l'on va faire revenir, pendant que d'autres vont continuer de faire du télétravail. Donc oui, aujourd'hui, les différenciations sociales sont flagrantes de par cette crise. Et personne n'entend y apporter de réponse. Personne aujourd'hui dans ce gouvernement n'entend parler de ces milliers de saisonniers dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que nous sommes normalement en plein cœur d'une activité touristique avec les vacances de printemps, de ces milliers de saisonniers qui du coup n'ont pas été embauchés, qui n'avaient pas de pré-contrat d'embauche, mais qui normalement, à travers ces 4 semaines de période de congé, eh bien, ont accès à un emploi. Personne n'évoque la question de ces stagiaires, de ces apprentis qui ne peuvent pas faire leur stage, qui ne peuvent pas continuer leurs apprentissages et qui aujourd'hui se retrouvent avec rien. Personne n'évoque la question de ce qui va se passer cet été, là encore, pour toutes celles et tous ceux qui soit étudiants en travaillant l'été, leur permettent l'année suivante de faire les études qu'ils souhaitent et ainsi de soulager la dépense de leur famille. Donc tant que le gouvernement ne parlera pas finalement de ces milliers de femmes et des hommes qui sont des gens comme nous, de celles et de ceux qui travaillent, de celles et de ceux qui ont à cœur de défendre, y compris oui, la reconstruction de notre pays, la relance économique en allant travailler, je crois qu'envisager un front républicain, en tout cas en participant à un gouvernement, n'est pas d'actualité. Cela ne veut pas dire que nous ne prenons pas nos responsabilités. Nous avons mis sur la table un certain nombre de propositions pour sortir tout de suite de la crise et pour la France de demain. Nous continuerons de le faire et chacune et chacun dans nos domaines de compétences, dans nos départements, interpellons et mettons en débat ces propositions parce que nous ne sommes pas une simple force contestataire. Oui, nous sommes une force qui, une formation politique qui entend jouer tout son rôle, celle de faire, d'agir, de dénoncer quand il faut, mais aussi de proposer. Et je tiens d'ailleurs à saluer dans ce rôle les milliers d'élus locaux qui, aujourd'hui, dans des situations, je l'évoquais tout à l'heure, compliquées, difficiles pour la démocratie locale, mettent tout en œuvre pour que dans les communes, les départements, la région, les politiques locales puissent continuer, que la solidarité puisse s'organiser, que nous puissions répondre au quotidien à celles et à ceux qui sont les plus isolés, à celles et à ceux qui souffrent finalement plus que d'autres encore de ce confinement et de cet enfermement social. Oui, aujourd'hui, les maires qui sont à la commande, mais les élus, qu'ils soient d'ailleurs dans l'opposition ou dans les majorités, je crois, jouent majoritairement tous
ce rôle-là, de ce maillage républicain qui est celui de l'ensemble des communes de notre pays. Une autre question qui fait le lien peut-être avec ce que je viens de dire sur les conséquences du confinement de Sylviane. Je suis inquiète pour les femmes et enfants confinés, victimes de violences. Que faire? Oui, il y avait d'ailleurs hier soir un reportage au journal télévisé qui montrait, y compris cette problématique des violences faites aux femmes, mais également aux enfants. Là encore, depuis le début, nous avons dit que ce n'était pas satisfaisant ce qui se faisait. Cela d'ailleurs plus largement doit nous interroger sur les conséquences d'un confinement subi et s'il devait durer. Parce que l'être humain, tout d'abord, je me permets de faire peut-être une petite parenthèse, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre enfermé. Il est fait pour, il est un animal social. Il est donc fait pour rencontrer l'autre. Il est fait pour échanger. Il est fait parfois même pour se libérer de sa propre condition. Et pour ces femmes et ces enfants, c'est un double enfermement qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. La réponse de la ministre n'a pas été à la hauteur au début de cette crise, en disant qu'elle mettait à disposition les pharmacies. Encore faut-il pouvoir sortir de chez soi? Encore faut-il avoir une pharmacie à proximité de chez soi pour pouvoir s'y rendre? Aujourd'hui, un nouveau dispositif est mis en place qui semble avoir quelques effets, qui est la possibilité pour ces femmes, pour ces enfants, dès lors qu'ils ont un téléphone portable à disposition qui leur est propre, de pouvoir, à travers l'envoi d'un SMS au 114, justement signaler ses victimes, signaler être soi-même une victime de violence. Je crois que nous devons, autour de nous, populariser ce dispositif. Il n'est peut-être pas satisfaisant pleinement, mais en tout cas, il entend répondre à cette double prison dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces personnes victimes de violences. Et parce que nous sommes confinés, soyons peut-être un peu plus attentifs encore, parfois, aux bruits qui peuvent avoir lieu dans le voisinage, à ces regards parfois baissés quand l'on vit dans un jardin, ces regards baissés de l'autre jardin ou sur un balcon. Soyons attentifs à tous ces petits bruits du quotidien, mais qui peuvent parfois en dire long sur la souffrance de ce quotidien pour certains de nos concitoyens. Donc je crois qu'il y a besoin, je le disais, de faire connaître, de populariser ce dispositif, et il y a aussi besoin de continuer à jouer notre rôle de citoyen et de citoyenne, et de ne pas accepter que des femmes, des enfants, aujourd'hui, puissent être victimes de violences, et que nous avons besoin, je crois, toutes et tous, de les aider. Une autre question qui m'avait été posée précédemment, je vais la poser elle vient de Jocelyn, donc de la Martinique, puisque ce Facebook Live est suivi, y compris dans les Outre-mer, qui nous dit Macron va parler ce soir, il ne faut pas se faire d'illusions. Il a été précédé par le MEDEF qui lui a fixé sa feuille de route. Nous en avons déjà parlé. Il dit je vis en Martinique et la position du PCF sur la lutte désinvolte et criminelle des hommes au pouvoir face à ce qu'il qualifie les derniers confettis de l'Empire. Je veux y répondre parce que nous avons entendu lors d'une des allocutions du président de la République, certainement une de ses plus mauvaises d'ailleurs, tant dans la mise en scène que sur le fond, répondre aux habitants d'outre-mer en leur disant qu'il fallait qu'ils soient rassurés puisque deux porte-hélicoptères allaient être mis à disposition, l'un dans l'océan Indien et l'un dans l'océan Atlantique, pour répondre à leur situation. Ils vivent aujourd'hui bien évidemment des situations catastrophiques. Tout d'abord parce que ces territoires sont fortement dépendants de la métropole, par la consommation, par l'activité économique, mais sur tout un système d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, l'arrêt notamment des déplacements bateaux et avions rend difficile l'approvisionnement et donc renforce encore plus dans ces territoires la problématique de la vie chère. Déjà,
En temps normal, les outre-mer sont confrontés à un problème d'achat bien plus important que ce que nous pouvons vivre en métropole. Cette difficulté là est donc renforcée et les inégalités sociales sont d'autant plus fortes et la fragilisation d'un certain nombre de nos concitoyens de ces outre-mer bien évidemment encore plus importante et pas simple. Il ne faut pas donc simplement, je crois, avoir des mots pour celles et ceux qui y vivent, mais réellement prendre toute la mesure d'abord pour leur apporter toute la sécurité sanitaire possible, mais aussi l'accès économique. Une dernière question qui nous vient donc de David. Je suis anglais et j'habite en France. Après cette crise, il faudra un changement révolutionnaire. Puis-je adhérer au PCF, même si je ne suis pas français? Oui, bien évidemment, le Parti communiste français s'adresse à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, qui habitent dans notre pays. Vous êtes bien évidemment et très massivement, j'ai envie de dire, les bienvenus. Je crois que nous avons beaucoup de débats à avoir. Nous ne sommes pas toujours d'accord, comme de partout. Mais c'est en tout cas dans la confrontation, dans l'engagement, dans le rôle qu'il y a à faire grandir les partis politiques que chacun a sa place et nous ne serons pas de trop demain. Pour poser les propositions pour les jours d'après, mais surtout pour construire les rapports de force pour que ces jours d'après soient ceux d'une société plus juste, plus humaine. Nous avons comme slogan l'humain d'abord. En tout cas, ceux d'une société qui replace effectivement l'humain au cœur de l'activité économique, au cœur des décisions sociales, au cœur des décisions démocratiques. Parce que de cette crise qui a duré depuis maintenant plusieurs semaines et qui très certainement durera encore plusieurs semaines, eh bien, nous devons peut-être retenir ceci, c'est que la capacité d'abord de l'être humain à pouvoir s'adapter, la capacité de l'être humain à savoir résister et cette force humaine, sachant la mettre en commun, sachant la partager pour faire république ensemble et ainsi reconstruire les bases d'une société plus juste et plus humaine. Et vous me permettrez un dernier clin d'œil, mais parce que nous avions été interpellés au début par une personne qui nous demandait, existe le PCF existe-t-il encore? Je veux très simplement lui répondre ici ce soir, après maintenant plus de 45 minutes de Facebook Live, qui, je vous l'avoue, est un exercice pas simple, parfois même difficile et délicat. Et j'espère en tout cas avoir pu le plus et le mieux possible, répondu à vos questions. Je veux tout simplement lui dire que oui, le Parti communiste français existe encore et qu'il a, je crois, de très beaux jours devant lui. Il fête cette année son 100e anniversaire et il aura encore, au-delà de cette période de confinement, de très beaux anniversaires à souhaiter parce que tout simplement, nous en avons besoin et nous avons des choses à apporter pour les habitants de notre pays et plus largement de notre planète. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de journée. Que ces périodes puissent en tout cas vous être le moins difficiles pour vous. Nous aurons bien évidemment les réactions qu'il faut ce soir après les propos du président de la République. Rappelons-nous que cette crise est sans précédent, que la maladie est terrible. Sachons toutes et tous adopter les gestes barrières. Sachons toutes et tous respecter cette distanciation sociale parce qu'elle est très certainement une des solutions pour sortir le plus vite et le mieux possible du confinement. Sachons être tous responsables, mais sachons rester tous en lien par tous ces moyens modernes de communication parce que nous avons encore de belles choses à faire ensemble et dans quelques mois, je n'en doute pas, cela sera derrière nous certainement. De mauvais ou de bons souvenirs, mais nous aurons à nous retrouver et à reconstruire toutes et tous ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Demain, vous avez rendez-vous à 17h avec Laurent Brun, responsable de la CGT Cheminots. Et vous retrouverez sur la page Facebook du Parti communiste français les différentes autres personnes qui interviendront, pardon, tout au long de cette semaine. Voilà, je vous quitte et je vous souhaite une très bonne soirée encore une fois. Merci à tous.